ma définition de la radio. Bah d'abord, c'est à mon avis une chance fabuleuse qui est donnée à une toute petite poignée de personnes finalement d'avoir la possibilité de s'exprimer vers le plus grand nombre sans forcément se montrer, ce qui n'est pas évident. C'est la possibilité d'apporter du divertissement, de l'information, de gâter les auditeurs aussi. J'ai offert des voitures et des voyages au bout du monde, t'imagines, c'est un truc fabuleux. C'est du son d'abord, de la musique, des voix aussi, parce que les gens finissent par reconnaître les voix des animateurs ou des animatrices radio. Il y en a même qui fantasment dessus, hein, d'ailleurs. Quand on regarde la télé, certaines émissions de télé, par exemple, et tu vas voir, dans ce que je vais te dire, il y en a beaucoup qui sont concernés. D'abord, il y a des animateurs qui ont des physiques de radio. Et puis, tu fermes les yeux, comme ça, et tu écoutes. Et tu t'aperçois que finalement, eh ben, c'est pas aussi bien que la radio. Alors, quand on me demande ce que je pense de la radio et ce que la radio représente pour moi, eh ben, je réponds d'abord que j'ai fait radio première langue et que c'est pas évident de faire autre chose pour moi aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui me passionne autant. Et puis même si je ne sauve pas des vies comme un médecin ou un chirurgien pourrait le faire, eh ben, la radio pour moi, ça représente la plus grande partie de ma vie professionnelle et franchement, j'en suis vraiment fier. Ma toute première expérience radiophonique, c'était en 1984. J'ai commencé le vendredi 13 janvier 84, un jour qui m'a porté bonheur. Les vendredis 13 m'ont toujours porté bonheur dans le métier. Et je travaillais dans une discothèque, j'étais DJ. Et le patron de la radio locale de Chambéry, qui s'appelait Fréquence Horizon à l'époque, était un client de la boîte où j'ai commencé à travailler. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir dimanche avec tes disques faire de la radio? Et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la radio.